La dernière fois, on avait fait Paris-Nice. On avait fait tout le début de saison avec Marseille, Provence, Var, Ardèche. Et ce qui nous attend maintenant, c'est quoi? Il y a Cholet, il y a le Tour des Ardennes, il y a l'Amstel, Tour des Alpes, Liège-Bastogne-Liège, premier monument. Et ensuite, direction le mois de mai, quoi. Puis il y aura Dauphiné, il y aura le Tour et tout. Attends, j'ai vu quoi là? Ah oui, non, pavé, d'accord, ils ont compté. Oui, non, c'est le parcours 2021, de toute façon, on avait regardé. Donc là, on va partir en direction des Ardennaises. Mais avant Grand Prix de Cholet. Yann était Devstira, ça gagne, week-end parfait. Et Volta, on gagne aussi, mec. Là, mais le lendemain, il peut pas. Ah, écoute. Mange tacos. Bon app, énigmatise. Non, les gars. C'est. Bah, c'est comme ça, hein. Je sais pas pourquoi il est pas là, mais il est pas là. Il m'a dit qu'il était pas là et il a pas envie de jouer pendant les vacances, j'ai l'impression. Donc, il sera pas là. L'équipe, ça donne quoi? L'équipe chez Total, c'est très très faible, hein. L'équipe chez Total, on est seul. On est seul au monde. Alors, au niveau du pic de forme, je sais pas ce que ça va donner parce qu'on avait tenté un truc, pic de forme en février. Pic de forme aux Ardennaises pour le mois d'avril. Et pic de forme sur le tour. J'espère que ça va avoir le temps de remonter parce que là, attendez, on a combien de points là? 24 points, mais jamais on remonte. Si? Est-ce qu'on a le pic pour l'Amstel là? Oh lolo. Ouais, ça va être tendu d'avoir le pic, hein. Objectif peut-être arriver au niveau 22 aussi aujourd'hui. Si on peut arriver niveau 22 plus faire des bonnes Ardennaises et un bon tour des Alpes en pic de forme, ça peut être sympa. Hein. Manque que les Giro pour les trois grands tours. Ce week-end, ouais. Mais le Giro, on l'a fait la semaine dernière. Pam, palapam, pam, 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 pam. Alors, Grand Prix de Cholet, on va commencer en douceur. Petite course tranquille. Après 2 semaines. Attends, on est d'accord, c'est 1,5 par. On a 30 points. On sera jamais en pic, si. Oh là là. Oh là là, attendez, mais je. J'ai l'impression qu'on va se faire carotte le pic là. Si on arrive en pic après Tour des Alpes et Liège pour deux petites courses en mai, ça va être la sauce un peu. Ouais, non, sinon niveau effectif, c'est un peu la merde. Hein. Notre meilleur équipier, c'est Pierre Roland, 72 montagnes. Alors il y a Dorian Godon qui doit être pas dégueu, mais c'est pas non plus le coureur de l'année. Ouais, non, hein, Godon peut-être qui est peut-être le meilleur. Eddy Fini doit pas avoir des stats affreuses non plus, Eddy. Je crois pas, hein. Salut à Bollard. Bref, pour moi, depuis longtemps, j'adore ce que tu fais. Merci Tarayak, ça fait plaisir. Tu veux les vélos total? Les vélos total? Attends. Le Styraz. Ouais, non, t'inquiète, mec, te prends pas la tête, hein. Mais les Villiers, je les ai déjà, je crois. Les Villiers, on les a déjà, c'est juste que te prends pas la tête pour casser tout. C'est anecdotique. Yori, tu vas bien? On est très bien comme on est là. Oh, il y a les équipes U23. AG2R U23, Groupama Conti. Les U23 font Cholet? Mais wesh. Bon, je sais pas trop ce qu'on va foutre là, mais. Va se régaler, hein. Alors, petit zéro, travailler en tête de groupe. Très bien, on est équipier. Alors, équipier de qui? On est équipier. De 3 mecs, Geoffrey Soupe, Anthony Pérez, Mathieu Burgodeau. Très bien. Bah écoute, ouais, bon, on va faire l'équipier. Hein. Hello, Naves. Et au Pyrotech. Vas-y, on va faire l'équipier, on va faire nos points. Ah là là, le petit maillot là. Le petit maillot chez Total. Il fait très maillot UAE, mais c'est pas grave. Ici, on monte les sponsors, on s'en fout du drapeau, bien évidemment. Sur le Discord. Point d'exclamation Discord si tu veux. Voilà, on fait les 30 bandes, on se refout dans le peloton et on attend la fin. Et si jamais on sort une masterclass, parce que je crois qu'on est proche du niveau 21, hein, donc si on sort une masterclass sur le circuit des Ardennes, à tout moment, passage en avril aussi, il y a les 65 points, à tout moment, il y a un petit level 22 avant les Ardennes, ça serait exceptionnel. Hein. Si on arrive à se faire... à se choper ça... Allez, 100% ou pas? 100%, voilà, allez, on arrête les conneries. Doléato, tu vas travailler. Voilà.
Parfait. Yo, Jim Trip, tu vas bien? Ouais, c'est pas très dur, hein. Je vois pas trop où est-ce que. Peut-être la dernière boss, mais. Je pense qu'on va juste garder notre énergie pour le sprint, hein. Bon, on va pas chercher à comprendre, on va pas trop en faire. Faut pas essayer d'attaquer, de toute façon, la course. C'est pas la course qui nous intéresse le plus, on va pas se mytho. Hop. Avec Total où t'as commencé ce soir. Non, on avait déjà commencé. On avait déjà commencé avec. On avait fait un début de saison avec full course française. Là, on va s'écarter un peu de la France. On va faire Amstel, Liège, Tour des Alpes, machin. On avait fait toutes les courses françaises, ce type Var. Non. Ça va. Eh, hey, je m'en fous de faire dernier de cette course, mais juste. Oh, mais gros! Non, mais c'est quoi ce bordel? Bon, bah là, si je reviens, c'est un miracle, hein, bordel. Mais gros, j'ai pris 4 minutes. Enchaînement, chute. On se relève, crevaison. Laissez-moi vivre. Oh, bah ça commence bien ce live. Bon, bah. Écoutez. Ouais. Toujours plus honteux. Putain, mais c'est grave. Et mais moi, je suis maudit sur ce jeu. C'est une dinguerie, hein. Ouais, non, c'est terminado, hein. Allez, hop, on passe. Direction la ligne d'arrivée. Let's go! Meilleure course pour commencer. On est trop heureux. J'espère que vous appréciez. Le nid trop brûléon. Non, 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 non. Enfin, je sais plus. Je crois qu'il y a. Le mois de mai est très léger. Le mois de mai, il y a trois courses. Je crois. Je sais plus il y a quoi dedans, mais. Je crois qu'il y a que trois courses en mai. Il y en a comme ça. Ah, les gars, je sais pas, hein. Bon, qui gagne? Est-ce que l'un de nos potes gagne? Moi, je crois en Anthony Perez là. Il a l'air d'être bien au niveau jaune. Il a une bonne forme. Anthony, c'est ton moment. Il a quoi en sprint, Anthony? Anthony Perez, 69-76. C'est pas mal, hein. Eh, si j'arrive à ne pas être dernier avec ce que je me suis mangé, c'est exceptionnel, hein. Tranquille, tranquille. Vas-y, mais c'est de ma faute. J'ai dit qu'on s'en foutait de Cholet. Il l'a pris au sérieux, le jeu. C'est pas grave. Allez, objectif, rattraper Acosta là. Acosta, on le rattrape et on le fume. On risque pas de le rattraper là. Non, non. Yo, The Tigre F1. Merci, Anten. Pour le tier 1. Merci beaucoup. Et bienvenue Longniepec. Je sais pas si on dit comme ça, mais. Merci, mec. Des roulettes pour qu'il arrête de tomber. Oh oui! Allez, Acosta rattrapé. Je jure qu'on fait pas dernier. Bon, Marcus Olgaard, notre meilleure place. Anthony Perez 8ème. Granger 7ème. Bon, bah écoutez, on va fumer au sprint Acosta. Et on fera pas dernier. Allez mon pote, let's go! Allez, avant-dernier, boum. Parfait. J'entends pas. Vous m'entendez pas là? Non, non, si, normalement si. Lâche un petit F5, bah du coup ça sert à rien que je te le dise si tu m'entends pas, mais. Petit F5 des Fafa. 17 Puntos. Bon, heureusement qu'on a fait les kilomètres en début de course. Bah écoutez, direction les Ardennes. Hein. Si, si. Salut Rachel, tu vas bien? Hop, hop. Alors, les Puntos, on passe level 21. Contrat. Ah! Ah oui, déjà, putain. Faut prier Movistar. Non. Ah si, putain. Oh, j'ai eu peur. Si c'est bon, il y a Movistar. On est d'accord, on va chez Movistar. Tous les jours, on va chez Movistar. Oui. L'an prochain, Movistar. Tiens, j'ai eu peur au début, je le voyais pas, je croyais que c'était mort. Allez hop, on met tous nos puntos dans Movistar. Là, on va prendre l'information. Bim.
Movistar. Ouais, non, non. Le but, c'est d'aller chez Movistar et de faire carrière chez Movistar. Movistar, je vous le dis, on reste. Bon, à limite, si on peut rester toute la carrière, ça dépend l'équipe qu'on aura autour de nous, mais. Movistar avec le petit équatorien, c'est ce qu'on vise. Hein. Alors, est-ce que le pic de forme va monter? Vous pensez ça va le faire là ou pas? Ouais, chef DJ. Non, non, soit Movistar. Bon, les équipes qui font le mieux en vrai, c'est Movistar, Ineos ou EF, hein. Pour un équatorien. Là, Movistar, en vrai, est-ce qu'on a déjà été chez Movistar? Si on y a été, c'est ça date, hein. J'ai aucun souvenir d'avoir été chez Movistar. Donc, Movistar, c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il y a un effectif de fou furieux. J'ai vu que le meilleur coureur c'était Carretero. Mais bon. Oh, il y a un chrono par équipe aux Ardennes. On est foutu. Oh, je crois. Ouais, je crois on est mort là. Alors, il y a qui? Oh, il y a pas grand monde. Ok, faut qu'on gère le chrono par équipe et on sera bon. Il y a quoi là? Il y a Signy le Petit. Et il y a Charleville-Mézières. Ok. Chrono, ça dit quoi? Oh, je vais être le meilleur, quoi. Oh, il n'y a personne. Ok, bah ça part. C'est original. Ouais, le maillot est beau aussi. Tu attaques alors que tu es équipier, tu connais, ils vont rouler sur toi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, j'ai encore oublié, les gars, mais c'est sérieux, je vais oublier toute ma vie, hein, le drapeau équatorien en emote. Je viens d'y penser là tout de suite, là. J'ai totalement zappé. Putain, le con. Bon, allez, si on pouvait éviter. Oh, on a un Nîmes. Si on pouvait éviter de se péter la gueule. Ou remporter général carrément. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas la course de l'année en même temps, mais. C'est Laurence qui va venir me protéger. Yo Smitch. On est 2-1. Est-ce que c'est pas notre premier 2-1? Incroyable. Oh oui, bon, en même temps, mais là. Oh, je vais pas trop l'ouvrir, mais normalement, c'est free win. Hein. Enfin, si on n'arrive pas à gagner le général là, je sais pas ce qu'on va aller foutre sur les Ardennes, c'est le Tour des Alpes où il y aura du monde. C'est quoi ce maillot? Champion d'Équateur, les gars. Il est pas beau, vous aimez pas? Oh, j'aime bien, moi. Je trouve stylé. Original, quoi. Saison 3. Ah, mais de toute manière, attendez, j'ai un. Non, c'est le casque total classique. Ouais, c'est le casque classique. Parce que je sais que j'avais installé un truc, je crois, pour les gros pays, style Van Aert, champion de Belgique et tout. Il a son casque et son vélo. Genre, je sais qu'Alaph, il avait son vélo de champion du monde dans le truc que j'avais installé. Tour de win la Volta, ouais. On a gagné la Volta l'an dernier. Cette année, on fait le tour. Parcours 2021. Et l'an prochain, écoute, l'an prochain, on verra avec Movistar. Hein. On verra les parcours. Je pense que l'an prochain, on fera deux grands tours. Salut, Dragonnet. C'est vrai que la saison 3, deux grands tours de fait seulement, c'est pas beaucoup. Une sur le tour, bien sûr. Salut à toi, nous. Bien sûr, bien sûr. Objectif, tout gagner. Alors, est-ce que ça va être possible? Je sais pas, faudra voir. Hein. Est-ce qu'on va avoir la même startlist que sur la Volta qu'on a eu sur la Volta? Je sais pas. Je vais le fumer, Poga. C'est notre petit Poga. C'est notre gosse. Retail, retail. Mais attends, mais pourquoi on était à Nîmes? Et pourquoi c'est les trucs du tour? Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est des étapes du tour, ça. Ok, circuit des Ardennes internationales, je crois qu'ils ont mis des étapes du tour. C'est quoi Nîmes? Nîmes quoi, ça? Ça, ce serait pas un petit Nîmes Carcassonne, genre? Faut essayer de deviner. Il y a eu quoi comme étape du tour il y a pas longtemps? Nîmes Carcassonne? Nîmes, Nîmes.
C'est peut-être minimum, ouais. Salut Evnit. Bah début de saison plutôt bon, on a pas mal gagné. Je vous dis pas ce qui s'est passé sur Paris-Nice parce que j'ai pas encore sorti la rediff. Je sais qu'il y en a, il va pas être spoil. Oh Ludo! Non, c'est comment encore? Leonardo, pardon. Leonardo Bonifacio, bon il veut plus, il est lâché mais. Ça loue en 4 et le manche. Je célèbre la butte à la fin, non? Je sais pas, il n'y a pas les noms. En fait, sur des petites, les toutes, toutes petites courses sur le jeu, ils mettent des courses de plus grosses courses. Du coup, c'est pas trop. Ni Carcassonne, ni Minim. Ah, je sais plus. Eh BG, on est toujours là, miam, clin d'œil. Oh là là, Haken le boss. Haken toujours là, 20e mois, bientôt 2 ans. Merci mec. Ton tien. Ça fait plaisir. Alors. Est-ce que Leonardo peut revenir? Leonardo n'arrive pas trop à revenir, j'ai l'impression. Axel, il a passé la butte. C'est pas le bon. Non, non, c'est son frère Leonardo là. Mais je vous le dis, on fait le poisson pilote de Leonardo aujourd'hui. Leonardo, je sais pas si vous vous souvenez, il nous a fait kiffer sur. C'est sur Paris-Nice ou je sais plus. Qu'est-ce que tu fais toi? Allez Léo. Allez Léo. Viens par ici Léo. Voilà, parfait. Allez, tu sais quoi, hop, on va aider Léo. Parfait, nickel. Si on peut le faire gagner, on dit pas non. Le virage à droite et la longue ligne droite. Qui n'est pas vraiment une ligne droite. Allez! Allez, Leonardo! Oh, il a du mal à tenir ma roue avec l'Axel. Oh, mais on est trop fort! On est un buffle! Allez, Léo! Ah oui, ça va être gagné, on fait gagner les collègues! Victoire de Bonifacio devant Romain Zingle et Alonso. Van Dalen, Marchiori. Et ben voilà, le petit Leonardo! On lui offre la win, on n'est pas un équipier modèle, sérieux? 12e devant Rui Costa et Maldonado. Il y a McCarthy. Ok. Bon, il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Et ben voilà, notre collègue qui gagne. Est-ce que ça nous fait pas des points, ça, d'avoir emmené à la perfection notre pote? C'est Axel, pardon. Effectivement. Ah non, 0 points, ils se battent les couilles. Très bien. Bon, plus jamais je fais poisson pilote. Hein. Les formes, les formes, les formes. Est-ce que ça passe? Attendez. 61, donc on va prendre 9, on va être à 70 à la sortie des Ardennes. Ouais, non, on l'aura pour Liège. Ouais, pic de forme pour Liège, Jura, Plumelec, quoi. Sûrement pour la fin du Tour des Alpes aussi. Je pense qu'on va aller avoir vers là, vers le 21, peut-être voire 22. Il y aura Fiocudo. Quel esprit d'équipe, bien évidemment. Bien sûr. Alors, déjà une étape un peu plus intéressante. Est-ce qu'on est favori? On est favori devant Jay McCarthy et Paulo Gamero. Ok. Renrifo, Iversen, j'en connais aucun. Talman, Canola, on connaît. Avec entre deux lettres, ça me dit un truc. Par contre, les Gamero, Renrifo, là, Iversen et compagnie, pas du tout. Et quand il y a un mec de la Conti qui est dans les favoris, c'est que c'est pas un gros level, hein. Je sais pas s'il existe le petit Iversen là. En vrai. T'as pas vu, ils étaient dans le bus. Deux lettres. Ah oui, putain, c'est. Ah, oh, ouah, le niveau des vannes, ouah! Ouah, coudou! Coudou! Voyons, il n'y a pas à faire des vannes comme ça là quand même. Salut toi, Erwan, tu vas bien, mec? Ah non, le niveau des blagues, les gars, putain! Putain, Alex entre deux lettres. Wow. Oh, misère.
Eh, j'ai rien capté. Qu'est-ce qui s'est passé comme bordel avec le tirage de la LDC là? Eh bien, bonjour à vous. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Le temps est au beau fixe, ce qui n'est pas pour déplaire. Plus 2. De... Carré. Remporter l'étape, remporter le général. Les objectifs sont clairs et nets. Axel, viens ici. Bah tirer. Ah ouais, non, mais c'est un bordel, hein. C'est... Bon, Lille, ils ont pas eu de chat les deux fois. Dommage. Et Paris... Est-ce que Paris passe? Franchement, à l'état actuel, moi, je me mettrais le Real devant, quand même. Par rapport à Paris. Hein. Si Paris arrive, garde le même niveau, ça va être la merde. Erreur technique. Ah ouais, non. Ils ont fait n'importe quoi, wesh. Comme course circuit des Ardennes, les gars. Après, il y a les Ardennaises. Excusez. Ah gros, les vannes sur Twitter sur un potentiel penalty de Kylian à 90e qui le fout dans les tribunes, ça me termine de rire. Regarde. Ouah frérot, je sais pas si tu supportes Paris, hein, mais... Parisien, je comprends pas que vous soyez aussi confiant vu le niveau de votre équipe depuis le début de la saison quand même. Surtout que le Real, ça déroule. Hein. Le Real, cette année, ils sont solides. Hein. Yolu. Genre, au vu des 4 premiers mois, là, je mets le Real au-dessus de Paris, hein, pour le moment. Après, faut voir dans 2 mois, hein. Dans 2 mois, ce sera pas la même chose, mais... Salut à Pierre. Bah, contre Tiraspol. Mais alors, ils sont fait... Il y a eu 45 tirs à 2, ils prennent 2-1. Ça arrive de se prendre un gigavol. Sinon, tout le reste, ils ont roulé sur absolument tout le monde. La Liga, ils sont en train de leur rouler dessus. Genre, tu vois, Paris-Manu, je pense que Paris au-dessus. Mais par rapport au Real, je mets le Real un peu au-dessus quand même. Genre, ils auraient eu plus de chances de passer contre Manu. Et c'est devenu bidon. Mais alors? La France, c'est pas bidon? Du coup. Je suis en dominé. Bah oui, en plus. Vous parlez de Real Tiraspol. Alors qu'ils se prennent un braco comme on a rarement vu depuis je sais pas combien de temps. Alors que ça s'est fait dominer par Leipzig City et ça a fait match nul à Bruges. Oh les Parisiens, réveillez-vous. Après pour l'indice UEFA, j'aimerais bien que Paris passe en vrai. Ça, moi je m'en fous. Hein. Même si je suis pas de Marseille, faut que l'indice UEFA fasse, ça prenne des points. Mais j'avoue que je vois les Parisiens sur Twitter, ouah, ils sont confiants quand même. Et vu leur niveau, je sais pas pourquoi ils sont confiants. Cinquième tour et déjà en course pour aller chercher un 7ème succès. Ouais, propre. Est-ce qu'on mettrait... On n'a pas tout le monde. Mais c'est qui me vole mes potes, là? Bonifacio, putain, pourquoi j'ai fait l'équipier pour ce mec? Il me vole mes copains. Bon, bah, Axel, t'es le seul sur qui je peux compter. Ok. Louvé, tu peux venir mon pote? Ou tu vas t'évaporer au dernier moment? Non. Bah, surtout vu le niveau de la Ligue 1 cette année, quoi. En Europe, ça se démerde bien, mais... la Ligue 1, pour le moment, il y a tout sauf un gros level. Hein. Quand tu vois que... l'OM, on est deuxième, alors que bon là, ça va, on a fait 9 points sur 12 les 4 derniers matchs, mais... on est deuxième en faisant 2 victoires sur 9 matchs en octobre-novembre, quoi. C'est une dinguerie, hein. Oh, Lyon, ils ont gagné 2 matchs en 2 mois et demi et ils sont à 3 points du top 5. Le rythme du peloton s'est nettement
Mitchem. Oh, c'est ce que je dis, mais... Est-ce qu'on tente? Là, tu sais quoi, on tente une attaque, là. C'est le show, là. Là, c'est le panache, ça sert à rien, mais... Vas-y. J'ai pas de pote. Bonifacio, j'aurais jamais dû l'aider, il me vole tous mes collègues. Ok. On s'est fait reprendre. Tout le monde est en fringale, mais j'ai pas d'équipier. C'est sympa en tout cas. Hein. On est sur le circuit des Ardennes et c'est un sprinter qui me vole mon équipe. Qui vole mes potes. Je le prends bien. Alors. 5 bornes. Ça va être le moment de tout donner. La nuance. Tu vois, c'est ça le problème avec vous les Parisiens, c'est que. À aucun moment, on parle de l'OM, mais vous rapportez tout à l'OM. Vous êtes trop amoureux de ce club. Vous parlez plus de l'OM que de votre propre club. Alors que j'ai dit que je voulais que Paris gagne pour l'indice UEFA. Mais bon, vous avez un cerveau, certains, c'est une dinguerie. Si tu vois pas que le Real est plus fort que Paris en ce moment et que être confiant, c'est n'importe quoi, je peux rien faire pour toi, mon grand. Car ici. En fait, ça va être un sprint en faux plat montant là. Non, on est bien. Allez, me dis pas que je vais me faire fumer quand même. 1 km. Allez, on lance. Allez, allez, allez. Allez, mon Styraz. Oui, non, on va pas se faire fumer. Bah non, facile. Ah bah oui. Ah bah là, mon pote, on leur a mis une piquette. Let's go. Est-ce qu'il y a la cassure? Contre Salves 2, Iversen 3. Mettez la cassure parce qu'avec le chrono par équipe, il faut un peu de temps d'avance là. Voir, hein, dans 2 mois ce sera pas la même. Hein. Le PSG, j'ai absolument personne est convaincu que l'OM est plus fort que le PSG. Hein. Ça, tu te l'inventes tout seul dans ta tête, mais absolument personne. Comment tu veux rivaliser? Enfin, c'est un club qui a 3 milliards de dépenses en 10 ans. Tu peux pas? Bon, 3 milliards, j'abuse, mais. Tu peux pas? Le PSG, personne peut rivaliser en France avec le PSG. Alors, chrono par équipe. Essayons de limiter le truc. Vite fait. Bon, même le reste, hein, contre Leipzig, contre Bruges, ça, c'était pas... De toute façon, depuis le début de l'année, hein, le Paris, je regarde tout leur match de Ligue 1, j'ai regardé 5 de leurs 6 matchs de LDC. Si un Parisien ici ose dire que dans le jeu, Paris joue bien, il regarde les matchs les yeux fermés, hein, parce que bah, c'est bien beau d'avoir 18 stars, mais ils jouent pas ensemble, quoi. Avoir joué, c'est affreux, hein, les matchs de Paris. Hein. Y a rien. Hein. Sur 20 matchs, il y a peut-être 2 matchs où c'était sympa à regarder. Le reste, c'est le néant. En même temps, ça marche pas. Et ça a jamais marché hein, de juste foutre. D'acheter tous les meilleurs joueurs du monde et de les foutre dans la même équipe. Une équipe qui aura pas de stars mais qui sera collectivement solide va être meilleure que Paris avec leurs 18 stars. Hein. Alors. Je parie, je serais très triste. Est-ce que 85 ça passe? Putain mais attends, mais à 85 je leur fais mal là tu vas me dire? Ben non mais les gars. Un petit effort s'il vous plaît. Je leur fais mal à 82. Hein. C'est terrifiant. Alors ça dit quoi là au premier pointage? Oh
On va se faire péter par Delco, on va se prendre une minute par Delco. C'est terrifiant ce qui se passe. Alors augmenter là. Ouais. J'aurais peut-être dû étirer là. J'aurais peut-être dû tout donner. Allez, allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. 58 secondes par Delco, je suis tombé où moi? Sur le tour, ça va, il n'y a pas de chrono par équipe, mais. Oh bah, le général, on est loin de le gagner quand même. Les années 2000 et 2010. Bon, c'est totalement faux. Le Real. Les années où ils étaient le moins fort, enfin le moins fort, où ils ont le moins gagné, c'est quand ils ont tout claqué sur les fameux Galactiques. Ils ont gagné une LDC, mais sinon, le reste du temps, c'était pas la faute non plus, quoi. Invitation obtenue sur la Volta. Mais non! Ah ben les gars, il y aura peut-être deux grands tours cette année, en fait. Invitation pour de Total chez... Bah, let's go. Deux grands tours cette année. Ça part. Bon, écoutez, on prend, hein? Nickel. Invitation obtenue. Alors, est-ce que on peut. On a combien? 22e à 44 secondes. Mais jamais on prend 44 secondes sur cette étape-là. Si, faut à tout prix que tout le monde soit à mes côtés là, hein, si les acheter. Oui, en plus. Alors ça, la moitié, c'est la formation. Bonjour et bienvenue. Merci, City, c'est pareil, hein. City, il gagne toujours pas la LDC, hein. Après, City, c'est moins abusé que Paris quand même. Ils ont pas autant de stars. Genre là, ils ont juste. De toute façon, moi, Paris, c'est un club. Comment dire? L'objectif de Nasser, j'ai l'impression, c'est même pas de construire une équipe solide avec de la cohésion, c'est juste du marketing. Nasser, dans sa tête, c'est 2022, c'est le Qatar. Et bah il est content quoi, même s'il gagne pas la LDC, il sera content. Il a vendu je sais pas combien de maillots et il a fait je sais pas combien d'RT sur Twitter pour l'annonce de Messi. Saison réussie. Marseille c'est nul. Oh, c'est quand même culotté de dire que Marseille c'est nul, hein. Je sais pas tu supportes qui mais... Sont ceux qui vannent la saison de l'OM. Regarder dans son jardin avant quand même. Parce qu'en Europa League, bon l'important tu vas me dire c'est les 3 points, mais en Europa League on a hyper bien joué, hein. Juste oh putain mais c'est pas possible. Eh j'en ai marre, il y a Coquard, est-ce qu'il va se faire attendre Coquard? Désolé, il se fait attendre. Oh. Non mais c'est une vanne, mais suis mon gars. Mais c'est quoi ce type? Allez, allez, allez mon grand. Allez, suis-les. Ok, let's go. Les gars, je suis de retour. Petite imprévue. Réalisme. Ah, on manque de ouf de réalisme. Hein. Parce que en Europa League, à part le match à la Lazio où on mérite pas de gagner, Galatasaray à la maison, on les mange en deux, on finit pas nos occasions. On a 25 tirs à 3 là. En Turquie, ils nous mettent 4-2, mais c'est 4 buts qu'on leur offre, ils ont 4 tirs dans le match. Nous, on met poteau, barre, on loupe tout. Franchement, Europa League, on a eu de la malchance de fou. Hein.
Europa League, on était sûrement les meilleurs de notre groupe, mais bon, l'important, c'est le résultat à la fin. Et c'est ce qu'on retient. Dans 2 ans, on va pas retenir qu'on a bien joué, quoi. Absolument quand même. Mais frérot, t'as pas regardé le match? Si tu dis ça, t'as pas regardé le match, c'est sûr? Galatasaray, va voir les stats du match et va voir un résumé du match. Galatasaray OM, là-bas en Turquie, ils ont 4 tirs, 4 buts. Sur les 4 buts, il y a 3 buts qu'on leur donne sur des mauvaises relances. Mais je crois sur le match, ils ont genre 5 tirs, 4 cadrés, 4 buts. Galatasaray. Et nous, on a genre 15 tirs. Et on met le poteau une fois, on met une barre. Le gardien en face, il fait je sais pas combien d'arrêts. Il n'y a vraiment que à la Lazio où on s'est fait bouger. Et on méritait pas de gagner. C'est tout. Hein. C'est nul aussi. Oh là là, mais le culot, mes frérots, t'es le LOS qui sont 12e, frère. Ah non, les gars, vraiment, hein, c'est. De toute façon, c'est... on le connaît, il y a une haine envers Marseille, mais. Vous êtes tous, mais sauf réaliste, hein, à dire ça cette année. Hein. C'est quand même grave. Hein. Meilleure défense de France, dans le jeu, ça joue. C'est quand même culotté quoi. C'est vachement. C'est pas objectif ce que vous dites quand même. C'est pas surprenant. Bah non. Bah ça marche bien. Le problème c'est la finition quoi. On manque de finition devant, c'est tout. Hein. Sinon on peut rien faire de plus. Hein. Tous nos matchs on joue bien. Franchement sur une vingtaine de matchs, même plus 25 matchs. J'ai pris mon pied sur 20 matchs minimum quoi. Cette saison avec l'OM. C'est autant que sur les 5 dernières années quand même. Salut Coquito. De France. Oula. Mauvais souvenir je crois, c'est Canet machin. Canet Rocheville non? Mauvais souvenir Canet. C'était un Canet qui nous avait pété le cul il y a 2 ans. C'est Canet Roussillon je crois. Plus peur de Canet que de Strasbourg. Non, c'est Canet-Rocheville, je crois, qu'on tape cette année. Alors, il va falloir qu'on prenne... Bon, déjà, j'ai pas d'eau. Il va falloir qu'on prenne 44 secondes. Salut, Taïwanais. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Mon frère. Oh là là, Julien. Franchement, je parle pas avec toi, Julien, tu dois avoir moins de 12 ans. Je peux pas parler avec toi, vu ton niveau là dans le chat là. Allez, 44 secondes. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Allez, allez, allez. Relance, relance, relance. Allez, mon grand. 40 secondes. Allez, mon grand. Pas avoir de regret. De toute manière, ça passe pas, c'est pas grave. C'est que le circuit des Ardennes. Pas de pression. Ah, mais ils vont être au sprint, là. C'est trop mal fait, ça. Ah ouais, t'es mal Delco, là. Oh, putain. Oh, il pourra remercier ses potes de Delco. Hein. Les Autrichiens qui se tapent le sprint de leur vie, aussi. Est-ce que le leader du général est là? Ah, le leader est là. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, c'est terminado. Oh non, c'est terminado. On va prendre la route J. McCarthy. On va essayer de faire le meilleur sprint possible. Il y a le virage. Allez, 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 allez. Allez, mon grand. Ah non, victoire de Cocard facile. On va faire 2. Dans McCarthy, 3 stocks gros. Avec contre Salles, il va gagner le général. Ah, ça dégoûte, il va gagner que grâce au chrono par équipe. On n'aura pas réussi à faire. Il y avait 40 secondes hein, au-dessus, mais 10 km c'est trop long. Dommage. Bon, allez, direction l'Amstel. Ardennaise, on va plus kiffer là.
Styraz. Grimpeur, course par étape. On est combien au général là? On est même pas là. Yes I, yes I. Objectif gagner général. Ouais, 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 c'est nous, ouais. Oh, mais d'accord, ils ont compté aucune cassure alors qu'il y avait. On est arrivé à 20, à 15. Ah, mais je comprends, du coup, on est 21ème. Ouah, la douille, allez, quelle course de merde. Plus jamais on revient au circuit des Ardennes, les gars. C'était la dernière fois que vous nous voyez. Vous allez comprendre ce que vous avez perdu. Combien de temps? Niveau 22, fin du level là. Il nous manque 200 points. Si on fait un gros tour des Alpes, il y a moins qu'on l'ait pour Liège. Hein. Mais Julien, la Ligue 1 n'a rien à voir avec les Coupes d'Europe. Lyon sont éclatés en Ligue 1. Ton propre club, le LOSC, qui est éclaté en Ligue 1 cette année. Et pourtant, c'est. Monaco, c'est pareil, c'est loin d'être hyper fort en Ligue 1. Et en Coupe d'Europe, ça s'en sort nickel. Alors qu'à l'inverse, Marseille en Ligue 1, c'est carré. Et en Coupe d'Europe, on n'a pas eu de chat, on s'est fait martyriser, malheureusement. C'est pas parce qu'un club est 13ème de Ligue 1 qu'il va forcément faire de la merde en Europe, hein, ça n'a rien à voir. J'ai la saison. Mais. Oh lolo, oh, vas-y, j'arrête. J'ai dit que j'arrêtais, putain, pourquoi je continue à le parler? L'OM, c'est Lopez. En vrai, il est bon, hein. Ça lui crachait dessus au début de l'année, mais. Il lui laisser de l'adaptation, hein. Il a fait je sais pas combien de clean sheets, meilleure défense, championnat. Non. Oh non, non, mais. Ça me tabasse de. Je suis triste. On peut plus parler de foot quoi. Les mecs sont pas objectifs si c'est quand ça parle de leur club. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Le soleil va nous accompagner tout au long de la journée. Alors, Amstel Gold Race. Objectif de la course, terminé dans le top 30. On est leader outsider. Eh bien écoutez, Anthony Perez vient à mes côtés mon grand. On est là, 60, 80 vallons même, 77 Axel. Let's go. Objectif alors. Bon, il y a des moments je suis pas objectif, oui. Des moments j'essaye de l'être. Mais si t'oses me dire que le LOS fait une bonne saison, t'es tout sauf objectif quoi. La LDC les sauve mais ils ont le pire groupe. Après il fallait en sortir quand même du groupe. Bien joué, solide. Mais si t'oses me dire que la saison du LOSC est bonne, tu juges la saison de l'OM, mais on peut pas juger la saison du LOSC. Parce que Askip c'est à moitié du championnat, pourquoi tu juges la saison des autres alors? Et ouais mec. Ils sont pas bons. Mais le LOSC est loin d'être bon cette année. Hein. Après il y a beaucoup de matchs qui se sont tapés des dingueries, mais... De toute façon cette année les meilleures équipes en France, et si je... Je pense que si on dit l'inverse, c'est totalement abusé. C'est quoi? C'est. C'est Rennes, même s'ils ont mal commencé. C'est qui? Nice, c'est bizarre. Nice, ils ont eu un moment de flottement là. Pour moi, les ceux qui jouent le mieux et qui sont plus réguliers, c'est Rennes. Hein. Adrien. Aussi. Bah Lens c'est pareil. C'est pareil que Nice Lens. En fait Nice et Lens ils sont bons, ils jouent bien, mais il y a des matchs ils vont se faire exploser le cul, c'est pas pourquoi. Pour moi c'est Rennes hein, les meilleurs. Et j'ai. En vrai je suis content pour Genesio hein. Ça lui crachait dessus à Genesio, mais. Genesio il est là hein. Ouais mais c'est. Une fois l'important c'est le résultat hein. Donc ils ont 13 points d'avance carré hein. Mais dans le jeu il y a beaucoup de fois. Je crois c'est combien de points? C'est quoi la stat? Je crois c'est 17 points gagnés dans le temps additionnel Paris dans les 5 dernières minutes. Avec beaucoup de décisions très bizarres quand même aussi des arbitres. Genre Lyon ils, jamais ils doivent perdre le match.
Il gagne le match à la 92e. Il y a un péno offert sur Neymar. Il y a pas mal de matchs où ils se sont sauvés. Lens a égalisé à la fin. Il y a beaucoup de matchs qui se sauvent à la 90e, hein, Paris. Donc. Ah, mais c'est le Gold Race, ouais. Non, en vrai, pour moi, les meilleurs en France, c'est Rennes. Hein. Si t'exclus moi 2, Rennes, c'est saison parfaite. Hein. Même en Conférence League, hein, même si Vitesse fallait aller gagner là-bas. Bon, il y a le club Murat là. Bon, on va pas en parler, mais vous avez Tottenham, hein. Même si c'est pas un grand Tottenham. Fallait sortir premier du groupe, hein. Tottenham. Ouais, mais bon, Murat, c'est pas. C'est quoi, c'est Slovénie, Murat? Bon. On les respecte, hein, mais. Yo, mais c'était. Laissez-moi être heureux, s'il vous plaît, sur cet Amstel. Faites que je tombe pas. Ce serait sympa. Est-ce qu'on va faire un résultat? Franchement, si on sort un top 10 sur MCL là, on prend. En plus, c'est pas un parcours de ouf pour. Ouais, quoique, 76-77. Wesh, Van Dijk. Oh, Virgil. Mathieu Van Der Poel. Là, c'est 4. Non. Yo, Clément. Merci Quentin pour ton chien. Merci mec. Non, en vrai. En vrai, il y a des petites équipes sympas. Hein, et connaissant l'OM. Après, je sais pas. Sampaoli, il veut jouer à fond les compétitions européennes. Mais. C'est sûr, il y a un moment, on va se faire péter le cul. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Un match, les joueurs, ils auront pas envie. En vrai, il y a qui? Il y a Rome. Il y a revenu d'Europa League. Il y a 2-3 beaux clubs aussi. Hein. Il y a Leicester, PSV. En vrai, tu sais que no joke, Rennes, c'est une équipe. Je les mets plus qu'outsider. Hein, parce que Rennes, c'est une équipe en Coupe d'Europe. Bah, vu qu'ils ont pas un giga palmarès dans leur histoire. Mais ils vont se déchirer la gueule pour la Conference League. À tout moment, ils font un parcours de fou et c'est possible. Hein. Salut toi, Chayol. Alors, 90 bandes, on est toujours là. Ah, mais les gars, en C3 maintenant, c'est dur. Hein. Franchement, l'Europa League depuis la Conférence League, c'est dur. Hein. Les groupes, ils sont beaux. Regardez les affiches de 16e et ce qu'il y aura en 8e en Europa League, c'est du solide. Ouais, depuis longtemps, plus je suis petit. Attaque d'Emmanuel Bourman. Pour le moment, on est toujours là. Le vent, ça va. Catastrophique, Lewandowski, je suis triste pour lui. Il en méritait deux, quoi. 2020-2021, mais bon. Le problème, c'est que, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Franchement, le ballon d'or, il a plus. Moi, je m'en bats les couilles maintenant du ballon d'or. Quand tu vois que tous les joueurs. En fait, ça se joue. Ah, tiens, je suis argentin, je mets Messi premier sans regarder sa saison. Quand tu vois que tous les pays d'Amérique du Sud ont mis Messi. En fait, ça joue juste à. Ça regarde pas les performances. Il y a les pays, là, le Suricat, je sais pas quoi, qui met Neymar premier ou deuxième, là, je sais plus, enfin bref. Il n'y a pas que ça, hein, le. Déjà, Mendy qui n'est pas.
Trophée Yashi n'est pas dans les 30, c'est une honte absolue. Y'a qui d'autre? Y'a Ruben Dias, c'est peut-être le meilleur défenseur du monde cette année avec Marquinhos. Il est 25ème, 24ème. Simon Kerr est devant lui, quoi. Mbappé 9, c'est catastrophique vu son année aussi. Alors que Jorginho, il est aussi fort que mon orteil gauche, il fait 3, quoi. Juste parce qu'il gagne les trophées qu'il faut. Alors que c'est même pas le meilleur milieu de Chelsea et avec l'Italie, c'est pas lui qui fait gagner l'Italie à l'Euro, quoi. Bon, bref, c'est. Pour moi, le ballon d'or, c'est de la merde. Hein. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Il peut gagner l'Italie. Bon, non, je dis pas, Donnarumma 2, sûr. Hein. Donnarumma exceptionnel, mais. Il fait une grosse saison avec les matchs où il joue avec Paris, il est fort. Et Milan aussi, là, c'est sûrement grâce à lui que Milan est en LDC. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais. Allez, Alaf qui va. Plus 4 Alaf. Ouais, bah écoute. Hein. Mais le truc, c'est que Mendy, vraiment, sa saison, Mendy, c'est. Pff. Si avec la saison qu'il fait, il gagne pas le trophée Yashin, alors il faut faire quoi pour le gagner, quoi. On était devant Jorginho. Bah, tous les jours. Mbappé, c'est top 6 pour moi aussi. 9ème. C'est comme ça là, Salah, il a fait quoi, 7ème Salah? Non, je sais plus. Oh bref. Ça a 7ème. Oui, Salah c'est pareil, c'est. Déjà pour moi tu dégages Jorginho de là. Mbappé c'est top 6. Salah c'est top 6 aussi. Et quand t'es. Peut-être quand t'es 3, Mbappé, Salah, top 4 et 5. Et puis top 6 Ronaldo peut-être, enfin bref. Mais Jorginho, on sait pas ce qu'il fout là. Benzema. Top 3. Ah oui, putain. Bah oui, Benzema. Ouais, non. C'est vrai. Bah Benzema, ouais, peut-être Benzema au lieu de Kanté podium en fait. Kanté 4. En vrai, moi, si je faisais un vrai classement, je mets Lewandowski 1, Benzema 2. Messi 3. Et encore. En fait, je trouve ça catastrophique de donner le ballon d'or à quelqu'un qui en Ligue 1 est à un but en 20 matchs, quoi. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Quand même, Valère Germain a marqué plus à Montpellier que Messi en Ligue 1, quoi. Oh. Ouais. Mbappé, je vous jure que Mbappé, j'ai l'impression que personne parle de son année, mais Mbappé, son année, à part l'euro qui manque, c'est peut-être ça qui le fait être hyper loin. Il passe à côté de son euro, mais l'année de Mbappé, il porte Paris à lui tout seul l'an dernier en phase d'élimination directe de LDC. Là, cette année, c'est Messi et Neymar, ils sont dans son ombre. C'est une dinguerie Mbappé en son année. France, mais alors. Et c'est ça le problème en fait, c'est que vous jugez quoi ce, le ballon d'or. Pour moi le ballon d'or c'est un trophée individuel, tu juges sur l'année individuelle du mec. Ça le problème de Jorginho, le mec il a le niveau d'un pâté en croûte mais il est troisième. Il y a du vent. Ça vente. On a tout fait péter. Ok. On a tout fait exploser dans le groupe là. On est parti à 9. Allez bon grand. 10 bornes. Oh, ils sont pas si loin à la FVDP hein. Même bon, à la fin, ils sont plus 4, ils se régalent, non? Ah, quoique, même pas, hein. PRS toujours là, le boss.
Ah ouais, mais si je m'arrête, personne roule. Si, si. Rien dit. Désolé les collègues. Ah, il roule Moritz. C'est pas mal Moritz, c'est rapide. On est bien, on est bien. Bon, devant, je pense que ça va être tendu d'aller chercher. Franchement, on est bien dans notre course là. Salut, Corizix. Allez, allez. Oui, ils sont pas loin. Allez, 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 mon grand. Va chercher ta place. Victoire d'Alaphilippe devant Kwiatkowski. Troisième Hirschi, 4 Moritz. 5 Cosnefroy ou VDP. 5 Cosnefroy, 6 VDP, 7 Styraz. Aïe, aïe, dommage. 7 Styraz, 8 Higuita, 9 Remco, 10 Madouas. Bon, on fait 7ème. Eh, première grosse classique de notre carrière là. Ça va. Au Pérez, il vient chercher une petite place quand même. 16ème derrière Solaire. Et ouais, 16ème en taux. Let's go. Bon, on fait 7ème avec Juan. Imprononçable. Surtout qu'il est en bleu foncé, j'ai du mal à le lire. On se prépare pour Liège là. Liège, on va y arriver en pic plus 5, on gagne Liège, les gars. Qui y croit ici? Non, je vous jure. On gagne Liège. Là, il y a le tour des Alpes. Un peu de montagne, ça va pas faire de mal. Alors, victoire d'Alaph. Est-ce que Alaph va faire le triplé? Attention. Et 7ème, attendez, on devait faire top 30. Il y a beaucoup de points là. 42 points, let's go. Si on fait un gros tour des Alpes, c'est sûr, on a le up. Hein. C'est sûr et certain. 76 points. Non, 79. 78. 12 points. Ok, pour l'étape 5, on sera en pic de forme. Donc on aura le pic pour la fin du tour des Alpes et pour Liège et pour les courses de mai, là. Cyclocross. J'ai toujours pas de regarder de cyclo, il faut que je regarde. Ça étonne, Nico. Alors, victoire d'étape. C'est tout? Mais y'a qui? Y'a Yuzo. Mais y'a vraiment pas grand monde. Mas. Bah, y'a du. Ouais, y'a quelques. Y'a des outsiders, on va dire, mais. Ouah, Fortunato chez Rally Cycling. Ah ouais. Ouais. Ah, Lucas Hamilton, 82 montagnes, quoi. 81, Henrik Mas. Y'a des petits gars sympas, mais y'a moyen de faire un carnage, là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de grosse arrivée au sommet. Très très chaud. Oui. VA, je crois, il a fait une dinguerie encore, non? Il a pas, sur la course là qu'il a gagné, il est pas genre tombé ou a eu plein de problèmes, mais il a quand même gagné tellement il avait de l'avance. Oh, plus 4. Incroyable. Exceptionnel. Alors, remporter l'étape, remporter général. La dernière fois qu'on m'a dit ça, ça s'est mal passé à cause d'un chrono par équipe. Bon, là, il n'y a pas de chrono par équipe. Le Sacha. Laisse tranquille, il l'Angliron en 2 heures, j'en pouvais plus sur entraîneur. Deuxième moyenne à 17%, j'ai la mort. Il y a l'Angliron sur... Ah mais sur un autre truc que Zift, non? Putain, bien joué. Ça me dit un truc, j'ai déjà entendu ce nom, mais... Rovi, ça me dit rien. Si. Ils sont à l'XP. Si... Ouais, ils sont à l'XP, ouais. Bah, c'est Sagan qui a ramené l'XP. Deuxième. Même en tombant le août. Ah, c'est ça, il était tombé. Putain, sérieux. Mais VDP, il fait pas de cyclo là? Ou toujours peu. Ou alors il fait de la D. Putain, c'est dingue comment je connais rien, je suis rien. Moi, j'attends qu'un truc, c'est San Juan. Hein. Le cyclo, vraiment.
Je sais même pas où le regarder. Wesh, collègue. Ça vaut quoi, Arthur? Vous jouez plus là? GCN. Je trouve mes logs. Tutur, je leur ai dit que tu voulais plus jouer à FM avant janvier. Totalement honteux, mais. Il dort, il se repose. En vrai, nickel, il se repose pour la route. Le VA, j'ai l'impression qu'il fait des cyclos tous les deux jours depuis un mois déjà. Où est Romain? Oh, la squad catastrophique, putain, il y en a pas un qui sait mettre un mur. Je peux plus. Non, mais c'est pas grave, mec. Tu nous empêches de kiffer, t'as peur de venir nous affronter. Troisième seulement. Ah ouais? Putain, mais j'ai l'impression que je vois WVA partout depuis je sais pas combien de temps. Déjà, est-ce que vous avez vu les nouveaux maillots là? Là, il y a quelques maillots qui commencent à être annoncés, c'est cool là. La Trek, je crois, ils ont annoncé le maillot. Bon, il a pas changé énormément. C'est le même style, ils ont juste changé. Ils ont pas interversé quelques couleurs, je crois. Troisième en 8 jours et 3 wins. Ah ouais, d'accord. Le boss. Trop fort. Ah ouais, vous êtes tombé sur des bouffons. Allez, Martinez. Il va, Martinez, là? On va le suivre, on va le suivre. Bon, le démarrage est pas fou, mais bon, vas-y. Allez. Oh, bon, on y va tout seul. Ah, oh, mais les gars, vous me suivez pas, j'y vais. Hein. Oh, bah alors là. Allez, mon grand. Allez, Hamilton et Martinez qui vont revenir sur moi. Martinez 0, Hamilton moins 2. Ils sont pas top niveau barre. Hein, mais c'est qui ce Hamilton? C'est un fake? Dani pourra pas. Dani pourra pas. Allez, on donne. On donne tout à la bascule. Allez, mon grand. On le donne, Mas. Mais non, il a dit quoi sur Mas? Jure, il a déjà dit un truc, ce fou. Oh, Biscara au sol. Aïe, aïe, aïe. Allez, hey, 3 bornes. Hein. J'ai bien fait de relancer à la bascule. Hein. Allez, allez, ça va le faire. Ça va le faire grâce à la petite descente. Allez, mon grand. Oh, bah oui. Oh, allez, descendre. Oh, ok, c'est gagné. Je vous spoil tout, c'est gagné. Free win de Styraz. C'est la pire arrivée de l'histoire. Je suis en sprint depuis 5 km, mais je récupère de la barre jaune. C'est catastrophique. Allez, dis-moi qu'il y a les secondes de compter là. Mais mec, on comprend rien. Mais c'est quoi ce bordel? Pfff. Oh, alors là. Allez, victoire de Styraz à Kufstein. Première étape du Tour des Alpes. Devant Jacopo Mosca et Lucas Hamilton. Jonathan Milan 4. Cinquième, Lorenzo Fortunato. Et ben voilà. Eh, c'est la haise. Que Mas était égoïste. En vrai, Mas. Bah, Mas est une salope, quoi. Mais ça, personne ne l'apprend, quoi. Mas, j'ai vraiment l'impression que c'est l'un des pires types du peloton. De toute façon, déjà, tu vois sa tête, le mec a une calvitie à 22 ans. Depuis 22 ans, il est chauve. Ça pouvait que mal partir. Mais, oh putain, ils ont pas mis d'écart, les salauds. Mais non, Mas, y a pas mal d'histoires déjà avec Mas. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une pute. Hein. Peur. Ah, les gars, c'est totalement mérité la win. Non, bon, on a bien fait de sortir et de forcer. Hein. Du coup, étape de montagne. Let's go. Allez, les gros points, 21 points. Les chauves. Rien, mais c'est vrai que... Non, je sais pas, Mas. En vrai, quand tu vois sa tête, tu te dis pas qu'il est sympa. Je sais pas, moi, je croise Mas dans la rue, je lui dis pas bonjour, j'ai peur. Hein. Non, je sais pas. T'es mal à la tête de détraqué. T'es mal ce fou. Ouais, non, hein.
Ouais, je sais pas. Mais même un masque, il y a. Masque de grossesse. Alors, si tu veux. Masque cyclisme. Il n'y a pas des articles sur masse là? Fiche de énergie masse, l'équipe. Je sais pas, masse, c'est vraiment pas. Y a rien? Enfin bref. Un plan. Oh non, je sais pas, mais Masse, je sais plus, mais il y avait eu. Il y a 10 000 histoires, j'ai l'impression, avec Masse. Masse, il a pas l'air sympa, il est même dans le truc Netflix de Movistar, il a pas l'air cool, hein. J'ai pas envie d'être pote avec lui. Hein. Bonjour et bienvenue. Les meilleures équipes vont sûrement prendre les choses en main dès que la pente Plus 3. s'élèvera afin de favoriser Eh l'entrée bien, de on est grimpeurs. chanceux sur les La notes là. course va se dérouler sous un Oh beau ouais. soleil. Hop là. Alors. Il va falloir le passer ce tout ce truc. Hein. C'est quoi? Schaffen Pass. Cette année, je sais pas, ça dépend de Scorito. Et on le pèse. Ouais, normal. Hein. Bon, après, c'est vrai que je dis ça, mais bon, c'est une déclaration de Lopez. On connaît Lopez aussi. Hein? Lopez est pas le plus sympa du monde non plus. Lopez, bon, si jamais tu le regardes mal en étant sur le bord de la route, il peut te décocher un point, mais. Vas-y. La charité. Ouais, voilà quoi. Après, je pense que c'est la peste contre le choléra, tu vois. Un petit Lopez contre Masse. Pas diffusé sur GCN. Normalement, sinon, c'est Eurosport, San Juan. De toute façon, moi je vous conseille GCN, les gars, c'est de le prendre juste avant la saison. Il me semble que 2 semaines avant les premières courses, à chaque fois ils font une offre, genre c'est 40 € l'année de base, mais ils te le font à 20 € l'année. Et ça vaut tellement le coup. 20 €, t'as 1,80 € par mois et t'as toutes les courses que tu veux de toute l'année. En plus, il y en a plein maintenant, c'est même plus sur. Enfin, si tu veux prendre le player d'Eurosport aussi, mais je crois que c'est plus cher. Mais bon, t'auras d'autres trucs en plus. Alors vraiment, GCN, c'est l'achat de cette année que je regardais absolument pas. C'est des cracks, hein. Moi, je l'ai. Ouais, moi aussi. Il me semble que l'an dernier, ils avaient fait ça en début février, non? Ou fin janvier? C'était pas les 2 dernières semaines de janvier où ils ont fait le ref, là? Mais il y a Moscone aussi à Astana, non? Non, il est où Moscone? Si, Astana? Non. Il s'est barré où Moscone? Il s'est barré d'Ineos, non? Alors, si, il y a Moscone. Ah ouais, il y a Moscone chez Astana. Oh putain, hey, l'effectif. Ah ouais, c'est. Franchement, il faut pas les croiser sur leur route d'entraînement. Franchement, je les vois au loin, je fais demi-tour. Hein. Bon, le problème, c'est qu'ils vont vite me rattraper, mais. Castagne. Ah ouais, non, mais Astana l'an prochain, c'est. Ouais. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure Il y a Nibali aussi, le retour de Nibali. Nibali il va se retrouver avec Lopez et. Lopez et Moscone. En 2 secondes. T'es fou, tu demandes une photo, t'as Moscone qui t'insulte et t'as Lopez qui te met une balayette. Non, 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 je. T'es fou.
Yo, tartiflette. Allez, ça va être le moment d'offrir du spectacle aux spectateurs au bord des routes. Mais laissez-moi passer, bordel. Ok. Ça va être le moment. 6 km, faut faire tout péter avant la bascule là. Bon, le problème c'est qu'on sait très bien comment ça va se passer. Il y aura des écarts de fou, ça va pas rouler. L'échappée va soit aller au bout ou alors on va se taper un sprint à 60. On le sait très bien. Allez, grosse attaque, on vide le rouge, yellow on fire, c'est parfait. Oh, l'attaque de 2 km. Oh, Pantani, sort de ce corps. Pas des spectateurs. Mais si, regarde le petit mec là avec la casquette blanche là. Ça prend sa retraite. Oh, mais mec, je chialais ma race hein, après Roubaix là. Genre là, la saison va reprendre. Il restera plus que 2 mois de Gilbert. Genre, putain, personne m'a suivi. Personne a de couilles dans le peloton. C'est catastrophique. Il faut basculer avec le meilleur, c'est qui? C'est Badjoli. Allez Nico. Allez viens. Viens Nico. Ah, pas de Nico. Là je sais pas ce qu'on tente, mais on le tente. Hein. Je sais pas il y a combien de temps non plus. Il y a une 20? Mais non. Incroyable, incroyable. Est-ce que ça tient? C'est que du spectacle ici. Franchement, si ça tient, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, ça va être tendu, hein. Ils vont être sprint. Hein. Allez, mon grand. Tu relayes? Tu relayes pas? Ah ouais, ils sont en sprint, les salauds. Martinez, il a un moteur, il a un V8 dans le cul. Bah là du coup tout le monde se regarde et on a 60, c'est ça? Voilà, scénario exceptionnel. Attaque de qui? Attaque de Cuccarelli. Tout ça pour ça. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Décroché, un leader vient de se faire décrocher. Le leader est à terre, c'est le tournant de la course. Quand? Janvier. C'est quoi, c'est première course, c'est quoi, c'est Mallorca et San Juan, non? S'il n'y a rien d'annulé d'ici là, hein, parce que... Vas-y, bah, je vais m'en sortir du Covid. Il y en a marre. N'en peut plus. Il n'y a rien. Voilà, le beau jeu, les gars. Oh, Eh, hey, Martinez, il m'aime pas. Hein. Ouah, les sprints qui se tapent derrière moi, mon pote. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Allez, ça part. Six murs final là. Boum. Putain, en vrai, ça va être cool. Hein. Il va y avoir des courses annulées de partout. Les Français. Les courses françaises, ils vont pas être annulées, eux. Sur. Ah putain, comment ça s'appelle encore? Sur le tour de Bessèges, l'étoile de Bessèges, tu vas te retrouver avec Bernal contre Poga. Tout va bien. Normal. Abandon d'un coureur et c'est officiel, il ne repartira pas. Allez, allez, il se la donne trop là. Cocharnon, il s'est cramé déjà, non? Ouais, il s'est cramé, nickel. Non, non, on est bien, on est très très bien même. Fortunato est bien aussi là, j'ai l'impression. Non, non, il est pas ouf. Allez, on est bien. On est très très bien. Allez, mon Styraz, on va les fumer. Sur le sprint, masse qui lance, allez, dans les gros pourcentages, dans du 15%. Allez, mon grand, Ryabushenko, il va s'écraser. Est-ce que Hamilton peut revenir? Et Hamilton ne peut pas revenir. Victoire. Deuxième victoire en 2 jours. Devant Hamilton, devant Ayuso. Henrik Mas. Et ben voilà, 2 sur 2. Boum. On régale. À tout moment, à le tour de la Provence, les gars. Avec c'est quoi le parcours du tour de la Provence cette année? Je crois que la Provence c'est moins fou que l'an dernier. Il n'y a pas le Ventoux, je crois. Si,
m'en souviens plus. Je crois que la Provence, c'est un peu moins dingue que l'an dernier. Yo Hugo. 2 et 4. Mais ils ont un lien de parenté, les deux? Chris et Lucas. Je sais pas du tout. On prend des bonifs, c'est bien. Et on prend des points surtout. Avant Liège, le petit up qui se profile. Des gros points. Et voilà, 21 puntos, boum, 112 points. 3 étapes pour faire 112 points. 3 étapes et le général. Mais là, par contre, j'y pense, bon, on va avoir le même problème qu'on vient d'avoir. Là, pour remonter le pic jusqu'au tour, ça va être la merde, mais incroyable. Ah oui, là. Allez, fin, oui. Combien en pavé? 57, 56. On n'a rien en pavé. Hein. De toute façon, c'est pas le but, c'est pas de faire de pavé avec lui. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est la montagne. C'est les boss, c'est les cols. Alors. Et qui fait mal. Ça, t'inquiète, c'est une bonne équipe, hein. Vu l'effectif. Non, on va être solo toute l'année, hein, ça c'est sûr. Hein. Chez Movistar, on sera mieux. Hein. On était même mieux chez Carwall, mais bon, c'est pas grave. 6, 57, ouais. Plus 1 avec 58, attention. Non, là, le point faible, bon, pavé, on s'en fout, mais le point faible, pour le moment, c'est le plat. Le plat 66, ça fait mal encore. Hein. Si on peut se rapprocher des 70, ça ferait du bien. Petit surcoté. Mais non. Bon, je sais pas, c'est... Non, en vrai, c'est sympa, le Tour des Alpes. Hein. Après, le Tour des Alpes, je trouve, a pris beaucoup de hype grâce à la victoire de Pinot, hein, surtout. Sinon, Pinot gagne pas le Tour des Alpes, il y a... C'est quand c'est 2019? Je suis pas sûr qu'il y ait autant de hype derrière cette course. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Après, le truc, c'est que Tour des Alpes, c'est surtout la répétition avant le Giro, quoi. Du coup, t'as souvent de bons coureurs qui y vont. Du coup, ça régale et t'as un beau parcours, forcément. 2018. Chose. Ouais, c'est ça, la victoire de Pinot, ça a aidé. Hein. Moi, je sais pas pourquoi un tour que j'adore, c'est le Tour de la Provence, en vrai. Après, je pense que ça aide, c'est qu'ils soient au début de la saison. Hein. Tu sors d'une trêve où t'as 4 mois sans vélo. T'inquiète pas que BC, j'ai le Tour de la Provence, je les prends comme si c'était le Tour de France. Hein. San Juan, c'est pareil. Hein. Je sais pas c'est à quelle heure, San Juan, ça va être... Attends, c'est dans quel sens le décalage? Non, ça va être le matin. San Juan, c'est le matin chez nous. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Non. Au vu de la montée en rythme du peloton. Oui, San Juan, c'est le matin chez nous. Genre les arrivées, c'est vers 10h du matin, non? Un choix. Ah, c'est au soir? Attends, c'est dans quel sens, wesh? T'en es con, quoi? Non, à gauche, c'est moins. Oui, c'est moins. C'est moins 6h. Genre, chez nous, il est 18h. Ah bah oui, non, du coup, oui, pardon. Oui, non, c'est au soir, oui. 2h du mat. Ouais, c'est au soir. Nous, par rapport à eux. Genre, eux, l'arrivée, c'est 17h, mais chez nous, il sera minuit, quoi. Minuit, 1h. Bon, l'horaire est bizarre, hein, mais... Vas-y, c'est rien, hein. Un truc qui me manque aussi, c'est le Tour de Under, hein, sur des sites de streaming allemands à 3h du mat en janvier là. Ça me rend trop triste, hein, on l'a plus depuis combien de temps. Yo Yulos, ça va bien mec? Merci pour le tier 1. Les horaires. Ouais, je savais plus c'était dans quel sens, wesh. Nijo, c'est moi. Ah non, mais le Tour de Under sur des vieux streaming allemands. Plus vas-y, c'est depuis que j'ai plus court qu'il n'y a plus le Tour de Under. Avant, je me tapais le Tour de Under la nuit et j'allais en cours après. J'étais dépité, sérieux. Ils peuvent pas me régaler là? Remettez le Tour de Under là, j'ai le temps de regarder. Et du coup, ouais. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter.
On fire. Martinez, mais Martinez il m'aime trop. Hein. Martinez, soit il me déteste, soit il est amoureux. L'un des deux. Martinez, dès que je bouge, il bouge. Il me suit. Allez, Marty. Collabore, mon grand. Non, il veut pas. Le pot. Ah ouais, non, mais moi, les streamings que je trouvais, c'était des vieux trucs en allemand. Je sais pas pourquoi l'Allemagne diffusait ça, mais... L'allemand, bon... J'aime bien les Allemands, hein, mais... ouais, la langue... Il est 4h du mat, tu te chopes de l'allemand dans les oreilles à fond. Au moment du sprint, il s'ambiance, le mec. Ouais, faut être dur mentalement. Ouais, les gars, Hamilton, ouais, je vais rouler, moi, j'ai pas envie de perdre mon maillot, hein. Parce que là, si personne roule, on est dans la merde. Ça y est, on est foutu. Elle est là. Non, c'est bon, il va s'écraser. Allez, 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 Styraz. Allez, Styraz. Le 3 sur 3, Styraz. Ah non, Baron Chili qui s'impose devant nous et devant Vert. Vert, Brochartner 5, Hamilton 4. Bon, on reprend 6 secondes. Eh, j'ai bien cru que le petit Chris là. Non, c'est Lucas. Lucas Hamilton, il allait tenir. Bon, il s'est écrasé. Le sprint. Ah ouais, mais mec, en 2010, quand Grippel gagnait tout au Tour d'Under. C'est Grippel qui a le record d'étape en plus au Tour d'Under, je crois. Ah ouais, non, il devait te péter les oreilles, hein. 4h du mat, ça gueule partout parce que Papy Grippel, il est là. Récupéré par Arkea. Ok. Je connais pas. 20 secondes sur Chris, 22, putain j'ai la fratrie Hamilton à mon cul. Venu à Smith. Alors, quatrième étape. Ouais, vallon limite montagne quoi. Vallon dur, 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 plus. Allez, 25, 15 points. 97 points du level 22. Alors peut-être. Là niveau points. Non, 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 ce sera après l'étape 4. Allez, on continue, boum. Moins 2. Aïe. Aïe, aïe. Bon, on a eu de la chance jusqu'à présent sur les notes. J'avais plus qu'à... Ouh, Doleato 76 montagnes. Boum. Ça part. Bon, l'étape qu'il va falloir le plus gérer là. Parce qu'à quelle heure? Bon, je sais pas, il est 22h. Je sais pas, il y a quoi, il y a Liège. Bon, on va se faire les courses de mai aussi. Moi, je sais pas du tout. Mort. Ouais, mais c'est loin hein, mon pote hein. À part si tu parlais de lui, mais même avec moins 2. Non, en vrai moins 2, on va pas prendre de risque hein. on va pas tout niquer tout le tour pour rien. Je pense qu'on va juste suivre aujourd'hui hein. Demain on aura le pic, ça sera tranquille, on pourra s'amuser si on veut, mais... Ok, disons 84 ambulances, je réussis à faire 5 énormes à Bernal. Ah, de quoi là, tu... D'un grand tour là? De la lose. Ah, ça va propre hein. Putain mais attends, il se la donne déjà là dans le peloton. Ça y est, je suis déjà tout seul. Qu'est-ce qui se passe là? Covid, il est loin. Il est sorti du peloton comme une balle. Ah ouais, c'est le Quickstep. Quickstep, ils veulent foutre la merde. Il n'y a plus que 20. 35.
Allez mon gars, tiens bon. Bon là le problème c'est qu'on a plus de potes, même Doléato il a pas de nuit avec son 76 montagnes. On va devoir s'occuper de l'eau tout seul, comme un grand. Tout le monde tombe. Alors, bidon. Bidon. Ok, c'est bon. Ah, mais l'étape est hyper courte, wesh. Attends, mais là, attends, ça tombe, la bascule, elle est proche de la ligne. 115. Ah oui, elle est qu'à 18 bornes. Oh, mais ça change tout, ça. Si tu bascules, vu le nombre de kilomètres de descente, ça peut le faire. Putain, mais c'est de la triche. Ils sont courants que j'ai moins 2, c'est pas possible. C'est l'étape la plus dure. 15. Ah oui, bah totalement. Hein. On a une équipe, mon pote, elle est pareille pour détruire le tour. Hein. Si on gagne le tour, ça sera grâce à notre équipe, bien évidemment. Alors. Alors, mon petit Styraz. Oh, j'ai envie d'y aller, personne roule. Non, 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 non. Faisons pas de conneries. Attendons, attendons les gros pourcentages, ça sert à rien. C'est bien, c'est bien. Ils ont tout fait à l'envers, Quickstep et Mitchelton Scott là. Mitchelton Scott, wesh, vacation, wesh, je suis bloqué il y a 3 ans moi. Mitchelton Scott, putain, j'ai dit. Vacation, ils ont roulé toute la journée, là ils arrêtent. En classement par équipe, ouais, large. Même l'heure, hein. Je pense qu'on vise l'heure. S'il vous plaît, je suis bloqué, monsieur. Du Ricky Green Edge. Mais attends, mais ça revient pas, Green Edge? L'an prochain? Je sais plus. Alors. Allez, on y va. Boum. 12%. Moins 2. On n'a pas peur. Allez, Kobe, Hamilton, Wright. Fortunato, Mas, Ayuso. Allez, mon grand. On est parti à 3 en plus. Lucas Hamilton qui va être le plus solide là. Ah oui, plus 2 en plus, Lucas. Mais s'il tente rien. On est tranquille. Bon là, il va jamais me lâcher là en deux bornes là. Merde, mais non. La fondation durant 3 heures. Ah oui, c'est vrai, putain, il y avait ça. C'est pas passé. On a essayé, hein. Malgré le moins 2, on a fait mal, mais ça a pas tenu. Est-ce qu'il peut aller gagner? En vrai, s'il va gagner, il prive les autres de bonus. Enfin, parce que ça m'étonnerait qu'on fasse un résultat là. Conca. Et ça se lance. Bon, les gars, vous attaquez dans une descente. Je suis pas vulnérable, moi, en descente. Ok. Merci Numberalb pour ton tir 1. 19ème mois, Numberalb. Le vieux. Alors, Ayuso, ça se régale. Nous, faut qu'on fasse gaffe, c'est aux deux Hamilton. Qui sont à 20 secondes. Après, il y aura le pic de forme. Donc, c'est aujourd'hui le plus dur. Mais zéro couronnes. Franchement, si là, le problème, c'est qu'ils ont pas roulé dès le pied. S'il roulait, s'il mettait un gros tempo des pieds, ça aurait pu me faire mal. Hein. Genre, si ça roulait tout le col comme ça roule depuis le kilomètre 0, j'étais mort. Oh, par contre, là, on galère. Hein. Ah ouais. Ah oui, là, c'est pas la joie, là. Je sais pas s'ils utilisent du rouge, là, mais. Ah oui, d'accord, mais non, il utilise tout son rouge, en fait. Fait poisson pilote pour Chris.
Allez, 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 allez. On est un génie ou pas? On est un génie ou pas? Et on est totalement un génie. Oh, Konka. Non, ça va. Franchement, je suis content pour Konka. Ça va. Oh, il a failli se faire fumer à la photo finish. Hein. On fait deuxième devant Groschartner et Petit. Eh ben, ce bon vieux Chris et Lucas, là. Ils ont rien tenté. Ils avaient plus de 2, on avait moins de 2. Problème, l'annonce. L'annonce? Ah, le l'alerte? Et ouais, mon pote. On change d'air. Bon, bah ça va, on a évité le pire avec le moins 2 là. Qu'il a géré. Moi, ça va, je suis content pour lui. Hein. Franchement, si je le fumais à la photo finie, j'aurais été triste limite, mais. Il va chercher une petite victoire en solitaire là. Solide. Allez, on est toujours leader. 26 secondes d'avance. Il reste une étape. Et premier, premier, deuxième, deuxième. Hein. Voilà, l'étape est affreuse. 15 puntos, boum. On avance d'un jour. Boum. Alors. Ah si, putain. Oh, c'était bugué. J'allais porter réclamation là. Je peux pas le déclencher. Allez hop, on sait que c'est bugué. On fait ça. Hop, hop. Voilà. Là, on a le plus 3. Let's go. Pic de forme déclenché. On va arriver en forme pour Liège. Et ça régale. Il y a combien là? 113. Ouais, il y a quand même 32 bornes. Hein. 32 bornes à la bascule. Bon, même si la bascule est plus là. Je dirais qu'il y a quoi? Il y a peut-être 10 bornes de plat là? Faut voir. Échange tactique. Étape. C'était la quatrième étape. La dernière étape, Tour des Alpes. Puis il y a Liège-Bastogne-Liège. On a fait 7ème de l'Amstel. Ce qui était pas dégueu. Ça va. Liège, ce qui me fait peur, c'est que je crois qu'il y a une montée pavée. C'est un parcours avec du pavé. Du coup, ça peut nous, potentiellement nous foutre dans la merde. Ouais, attends, on a perdu qui là? Je crois qu'il y a un mec qui est plus là. On a perdu un pote. C'est pas grave. Un abandon sur chute. Mais c'est qui a abandonné? Il y a Burguedo, il y a Dvoliato. Alors là. Je ne sais même pas qui a abandonné là. Pas le nom, Pérez. Et t'es avec nous, Pérez? De toute façon, attends, je suis con, on peut le voir là. Benjamin Marais. Oh bah, Benjamin. Et puis là, Benjamin Marais, ouais. Classement, ouais, j'ai oublié. Ça y est, toi, Adri. J'ai oublié qu'on pouvait le voir au classement. Alors, est-ce que quelqu'un va prendre en main? Wow! Alors. Bonifacio. Ah mais il est devant Bonifacio, je lui ai roulé dessus depuis le début, j'avais pas vu. Le psyllium. Alors, j'ai personne dans mon équipe qui sait tenir sur un vélo. On se le dise. C'est la merde. C'est la merde, ouais, ouais, c'est la grosse, grosse merde. Du bowling. Ah voilà. Voilà, ouais. Ah non, moi ils ont rien recruté un Taurus. Hein. 6 minutes. Bah Bonnie. Ouais, c'était utile de prendre l'échappée. Il a attendu, je sais pas ce qu'il a fait, mais. Watch et bidon. 7 bornes. Ah, ça va clairement aller au bout. Hein. J'espère qu'il y a personne de dangereux. Par contre, ça m'a niqué mon bidon la cassure là. Ouais, je me suis fait avoir mon bidon.
c'est bon. Allez, ça part, les gars. Là, faut faire mal, là. Est-ce qu'on est capable de reboucher 5-30 sur la tête? Bah, Jolly est pas mal niveau bar. Ah, y'a quand même 2-3 mecs bien. Des bons types, pas du tout, non. C'est bien les gars, c'est bien ce que vous faites. Allez mon grand. Et Bonnie, quitte à sauter dans le rouge. Autant le faire bien. Là ça roule plus, mais nous on attaque. What? La Russie. Oh. C'est totalement honteux ce qui vient de se passer. Monsieur. Cette game. Pour cette game, c'est la Barna DB, je crois. Ouais, Barna DB pour cette save. C'est lui, Chen. Allez, allez. Allez, mon Styraz. Est-ce qu'on peut reprendre 3,45 sur la tête? Il y a quand même une petite barre sympa. Hein. Ouais, ouais, je pense que ça va aller au bout. Une boule. Ah. Deuxième Chen. T'en croises pas dans ta vie, Spiro des chaînes. Oh, ce Sobrero, il est revenu au calme. C'est pas folie, il a ramené tout le monde dans ma roue. Oh, mais d'accord, les deux que j'ai regardé, c'est depuis nul en plus. Oh, bah, c'est mort, hein, on aurait jamais revient. Zéro et chain. Deux depuis funé. Ce mec. Oh là là. Enfin bref. N'aie pas peur, et chain, c'est Spiro. Spiro, il est un peu bizarre. Et ils sont que 6 derrière. Hein. Marty. Marty fringale. Hein. Et on leur a fait mal, hein, les salauds. On voit rien. L'apocalypse. Début de la descente. Les coureurs peuvent respirer. On va revenir sur Zanini et Bajoli. Derrière, il y a les deux Hamilton qui sont affamés. Ils veulent ma peau. Eh, 79 descente. Hein, ça peut faire les diff. Hein. Allez, mon grand. Allez, allez, donne tout. Bah, je dis, il me suit pas. Hein. On va revenir sur Vandenabel. Devant une 15, Jacob Melli et Schulz. Un écho. Il y a un écho là? Non. Eh, on aura offert du spectacle aux gens quand même, hein, sur ce tour des Alpes. Allez, Vandenabel. Derrière 45 secondes. Une chute vient de se produire. Il reste moins de 5 km à parcourir. Ah, il se retape des sprints des Fafa, hein, derrière, hein, les Hamilton. Hein. Ah ouais, ils se régalent, hein. Ils veulent pas me voir le haut. Hein. Bah c'est bien les gars, revenez, hein, mais de toute façon c'est gagné là. Bug Twitch sur iPhone. Ah oui, d'accord. Très bien, allez, allez, tout donner devant ça, joue entre les deux. Bon, en tout cas, on va arriver chaud pour Liège. Hein. Allez, victoire de Schulz devant Giacomelli. Est-ce qu'on va faire 3 devant Bajoli? Eh bien, oui. Eh oui, on va faire 3 devant Bajoli.
Eh ben écoutez, 1-1, 2-2, 3. Boum. 5 jours de course, victoire au général. Il nous manquera juste le classement de la montagne, je crois. Mais sinon, on aura tout gagné, hein. Maillot des jeunes, maillot du sprint, maillot du général, forcément. Plus 3 victoires, plus 3 wins. Bon, maintenant, c'est Liège. Est-ce qu'on va gagner Liège? Et c'est le moment de sortir le plus 5. S'il y a un top 5 à avoir sur l'année, je veux bien avoir top 5 aujourd'hui et ne pas avoir un seul top plus 5 de tout le tour. Parce que gagner Liège, dès maintenant, ça serait exceptionnel. Bien, non. Non, catastrophique. Alors, devant les Hamilton, 30 et 32 secondes. Rocharner, Ayuso. Mas, 3,40. Martinez, 6,31. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais, ils sont régalés les deux. Est-ce qu'on passe le level? Oh, j'ai la haine. Oh non, pas comme ça. Oh non, pour 21 points. Bon, ben le niveau, ça sera potentiellement après Liège. Dans tous les cas, ça sera pour, ouais, ça sera pour le Jura. Aïe, 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 aïe. Pas de level pour Liège. Début du pic de forme. Alors, Liège-Bastogne-Liège, premier monument avec le Styraz. Il me semble. Attends, est-ce qu'on en a fait un? Je sais plus. En fait, je sais plus. Merde. Non, 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 on avait fait Saint-Sébastien, mais c'est tout, hein. Et l'an dernier, 5e autour des Alpes, hein. Cette année, on le gagne. Allez les gars, c'est notre moment. Il y a Burgueudo, 76 ballons, Anthony Perez, Pierre Roland. Il y a une grosse équipe autour de nous. Tout le monde est en pic de forme, let's go. Alors, Wout van Aert favori avec Julian Alaphilippe, Jonas Vingegaard. Ouah, les stats. Bah attends, mais on n'a pas le même chez BNB, nous. Wow. 83 montagnes, 80 ballons, 80 chrono. D'accord. Hirschi, 83 ballons. Charman, ok, Almeida, ok, Jay Hindley. Ok, tu connais. Ok, ok, allez, ça part. Pavé, t'es foutu. Il y a juste un tronçon pavé à la fin, c'est tout. Non, 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 franchement, arrive à la côte danse à l'ancienne. C'est quoi, c'est Saint-Nicolas en pavé? Non, c'est encore un autre truc, Saint-Nicolas, ça avant, non? C'est Tadei. Ah ouais, Vingegaard, là, il se met bien, hein. Ah, le frérot, il a des vrais stats, hein. It's time. It's time. On a plus 5. C'est totalement scripté. Let's go. 83 ballons, 85 montagnes, 79 d'axel, 62 pavés. C'est notre moment. C'est notre moment. C'est le moment, c'est le moment. J'étais abandon. Non, 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 non. Cette chance. On va se mettre debout. Les gars. Ah, la technologie de nos jours, c'est exceptionnel. On se met debout. On se met debout pour cette masterclass. Ça part. Alors, là, vous... Alors, salut les refs. C'est même trop. Let's go. Allez, mon pote. Ça part. It's time, c'est le moment de briller, c'est notre tout premier monument. Avec le plus 5. Bah ouais, mais putain, aucun équipier, c'est que ce bordel. Électron libre, il saute de ma gueule. Bah. Les gars! On peut offrir à Total un monument, vous me mettez électron libre! Ah putain de merde. Ah, j'ai envie de danser. 75, mais non, t'es un cadeau. Par contre, on a un peu trop. Tu peux reculer, mon grand. T'inquiète pas de panique, on est bien. Pavé pour un belge, exact. Oh là là, allez, allez. Oh, je suis stressé. Je dois aller aux toilettes.
bref, ils ont combien? C'est vrai, attends, on va faire le tour là un peu. Van Aert plus 1. Bon, c'est solide. Hein. VDP plus 2. Where is Julian? À la Philippe. Julian. Non, pardon, pardon, excuse-moi, il veut pas. Ok, Julian n'a pas envie. Julian n'a pas du tout envie de se montrer. Ok, pourquoi pas. Bah écoute, Julian, fais comme tu veux, fais à ta mode. Bon, Godon plus 5, salam. Godon, j'ai même passé ça. Ouais, Godon en plus 5, ça doit être monstrueux aussi. Hein. Oh, mais oh, les gars! Alav, trop timide. Il est timide, Alav, les gars. Il veut pas se montrer. Ah non, bien joué, Roland. Il emmène Quintana, Bennett et tout. Bien joué, bien joué. Bien sacrifié, ça. Il y a Morlaix qui se fait un petit kiff en échappé. Enfin, rouler. Ah, oh, bah écoute. Hein, ils font comme ils peuvent. Hein. Faut pas leur en vouloir. Allez, Julian va se montrer. Je vous jure que Julian va se montrer. Putain de merde. Allez, monte-nous ta note. Oh non, il veut pas. Mur Saint-Roch. Alav plus 5 et Sebasta. Les gars, même Alav plus 5, on le fume. Là, en vrai, endurance 82, résistance 83. 71 de plat, j'allais dire 80. On est un peu dans l'abus. Chute de Rominou. On s'étire. On va arriver dans le vif du sujet. C'est peut-être le moment. On sait que dans Saint-Nicolas ou pas? C'est quoi le nom de la pavé encore? Runagno. Pourquoi pas? Le garde combien? Je ne sais pas. Moins de 2. Ok, ça part. Haute levée. Sur la ligne. Commencez pas, wesh. Ça votre problème. Oh, plus 4. Ok, il a plus 4. Ok, à la fin, plus 4. Ça va être sûrement le grandissime favori. Pascal qui roule. Pascal, arrête. Les gars, Pascal, hier, il m'a dit ferme ta gueule. Je suis trop triste sur Insta. Sérieux. Juste parce que j'ai mis. J'étais triste qu'Hamilton n'a pas gagné. Il m'a dit ferme ta gueule, comme ça, net. Voilà, je vous le dis. Pascal est méchant avec moi. Sérieux. Non, ça c'est la faute de Turgis et compagnie. Hein. Ils lui ont appris des. Pourquoi ils lui ont appris ferme ta gueule quand ils étaient chez BMC ensemble? C'est ça le problème maintenant. C'est qu'ils parlent bien français. Mais les mots qu'ils gèrent le mieux, c'est les insultes. Putain. École du Rosier. Ça passe, ça passe, ça passe. 60 bandes, ça passe tranquille. On n'a pas le faufilement. Hein. Donc va falloir se battre pour le placement à la fin. Sinon, ça va être la sauce intersidérale. Putain, Cus, il fait trop mal, wesh. À la fin. Je suis meilleur qu'à la flèche, let's go! On est meilleur qu'à la flèche, les gars. C'est avant. Bah, BMC U23. Chez les jeunes. Oh, Perez et Godon ont toujours pas envie de m'aider. Hein. Ce serait le moment, les gars. Le QLS Warrior. Ça se régale, un Maquisard. La redoute dans 10 km, messieurs. Ça va, tranquille. Ça monte vite au sprint quand même. Hein. C'est qui là? C'est Vente Sevenant. Oh, VDP. Il y va. Attaque de Mathieu. Attaque de VDP. Ça sort avec Hirschi dans la roue.
Hershey, plus 1. VDP, plus 2. Nous, on est là, tranquille. Evenepoel qui fait le travail pour son leader. On est pas mal, hein. Non, franchement, on est bien, là. Les gars, 80 descentes, ça nous met trop bien, par contre, hein. Cette année, on fait le tour cette année, ouais. Allez, mon Styraz. Le placement important, le placement. La redoute, c'est parti. Les 35 derniers kilomètres de ce Liège-Bastogne-Liège. Allez, Gino Madère, boum, ça part. On est bien, on est tranquille pour le moment. On fait pas de folie. Attaque de Julien Alaphilippe. Il s'envole. Oh, c'est bien, va te cramer, mon grand. Non, n'attaque pas maintenant, t'es fou, quoi. Allez, accélération de Yez, Van Arte là aussi. Non, c'est bien. Franchement, on réagit pas. Pour le moment, on le laisse. Ça peut être dangereux, vous allez me dire. Mais s'il est tout seul, ça me fait pas peur. S'il est tout seul, il y aura forcément des gens pour rouler derrière lui. Moi, je suis tout seul. Mais c'est pas grave. Va te cramer, mon grand. Putain, mais il a rien perdu dans la redoute. C'est quoi ce bordel? Il a attaqué, il a perdu 2 mm de barre jaune. De Sprimont, ça part. Il n'y a plus que 38 dans le peloton. Godon Pérez, toujours pas envie de m'aider. C'est qui? C'est Madoz qui va. Allez, là par contre, s'il y a un gros groupe, faut suivre. Ouais, s'il y a des. S'ils sont tout seuls, c'est pas grave. T'es mal comment il se crame, le frérot. C'est pas vrai comme ça. Ouais, non, en vrai, c'est le meilleur bail, ça, dans PCM. Hein. C'est tu les laisses exciter. Toi, t'es là au calme. Pas de problème. Théma, il est devant avec 17 secondes. Mais Théma, comment il se crame? Non. Ils sont tout seuls à 3. Ils sont tout seuls à 3, mec. Comme tu. Dans ta phrase, ils sont tout seuls, donc tout va bien. Allez, rechauffe au con, moins d'un kilomètre 500. Bientôt les 20 derniers kilomètres de ce Liège-Bastogne-Liège. On est trop bien. On est trop bien. Bon là par contre faut suivre maintenant, à partir de maintenant s'il y a des attaques faut y aller. Allez, VDP qui va. Gourde. Allez mon grand, on est parti avec Bernal et Chicodé. Allez, on est dans le bon groupe. Allez, l'attaque de VDP, faut la tenir. Au moins le groupe va à l'artiette. On est bien, on s'affole pas. On joue intelligemment, voilà, on est de retour avec les 4 de devant. VDP, Julien Alaphilippe, Yates, Van Aert. Nous on est là, on s'affole pas, si on bougera c'est dans Saint-Nicolas. Allez, VDP il retourne. J'ai pas peur. Moment de flottement, mais c'est pas grave. Oh, Madoz, c'est trop bien, wesh. Incroyable. Allez, toi, Evan. Pas être déçu. Gagné. Victoire. Victoire et rien d'autre. Je sais pas si on garde tout pour Anse ou si on donne dans. Oh non, non, surtout pas ça par contre. Godon, faut m'aider. Ouah, Godon! Godon, grand roi! Grand prince, Godon! On t'aime! Allez, on arrive dans Liège! Je suis devant ce venant. Valou, ils sont plus ses jambes. Allez, mon Styraz! Vas-y, c'est le moment, ils se sont regardés! Vas-y, mon grand! C'est Julien derrière, mais c'est pas grave, faut pas se retourner! Ok, faut se retourner.
Dommage. Ils sont partis là, mon pote. Là, y a le pavé là? Oh merde. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Oh bah alors là. Respire! On part à deux. On part à deux dans la descente. Allez, allez, on est à deux. On est à deux. Duel franco-équatorien pour une victoire. Julien Alaphilippe face à Nicolas Tiraz. Oh, il lance de loin. Oui, il lance de loin, Julien. Oh non, il est trop fort ce chien. Ah oh ouais, avec plus 4, il est beaucoup trop fort. Allez, 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 allez. Allez, Styraz, le podium, le podium, le podium, le podium. Le podium, Styraz. Aïe, 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 on va faire deuxième victoire de Julien Alaphilippe. Ici à Liège. Rouen, Nicolas Styraz, second. VDP 3, 4ème Van Aert, 5ème Chicone. Ah non, je suis trop triste, sérieux. Pourquoi il a plus 4 Godon. Wesh, Dorian. Ouah, Godon, 8ème. Devant Hirschier, cause de froid. Style 2, putain, Julien qui gagne enfin Liège. Je t'avais dit, ah ouais, mais. Dommage, hein, Godon, s'il nous aide, ça change tout, hein, mais bon. Loulou. Ouais, il était trop fort, dommage. Le moment où ça peut basculer, c'est au sommet de Saint-Nicolas, il y avait la toute petite cassure. Si on arrive à ce qu'il recolle pas à nous et qu'on part tout seul, c'est sûr, ça se regarde, il y a un moment de flottement derrière. Et là, ça change tout, mais. Voilà, mon pote, il est parti dès le pied, il a tenu. Oh, il je vais rien faire. Ouais, t'es mal à la mine qu'il m'a mis. Ah ouais, non, là, il m'a mis 10 secondes. Hein. Bon, bah, VDP et Van Aert, on fait deux. Podium, premier monument, deuxième. Et on est entre Alaph et VDP quand même. C'est pas mal, mais bon, la win n'était pas loin, ça dégoûte. Yo Hugo, tu vas bien? Oh non, regarde l'écart qu'il y a. Là, je pouvais rien faire. Oh, il avait plus 4, hein, le salaud. Hein. La question est, il a gagné l'Amstel. Est-ce qu'il a gagné la flèche? Est-ce qu'il a fait le triplé? Allez, niveau 22, un gros up s'il te plaît, on mérite. Pff. Si, c'est sympa en montagne, hein, mais bon. Ou puncher? Ouais, puncher, c'est bien en vrai. Je préfère prendre puncher que course par étape ou grimpeur, j'ai pas mis tôt. On est un peu plus complet quoi. Salut Hugo. Bah, par contre la peine elle veut pas augmenter. Je pense que je vais prendre puncher. Non. Je pense puncher c'est le mieux. Alors là, on va prendre ça, boum. Ah, je suis triste. Ah, là, je suis un peu triste, on va pas se mentir. Je suis un peu tristouné. Alors, les stats. 82 montagne, 79 vallons, 75 chrono. 77 d'accel descente. 70 baroute, 73 endurance, résistance et récup. En soi, on se rapproche vachement du potentiel de partout déjà. On est que level 22. Il reste quoi? 25, 28, 31, 34, 37. Il reste 5 up. De carac. Je crois que sprint, on est au max. Peut-être 68, mais... le chrono, on le sait, on peut monter à 76. On l'a vu plusieurs fois. Pleine, j'ai l'impression qu'on est à 67 et qu'on n'a pas eu de chance. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de up en pleine. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah écoutez, deuxième du monument quand même. Est-ce qu'on ne serait pas leader par contre du classement UCI là? Oh non, pas du tout. On est 7ème, Vingegaard premier. Il a gagné quoi Jonas? Quoi, mais il a rien gagné? Bon, il fait des podiums partout quoi. Alors, est-ce que Alaph fait le triplé? Oh non, 7ème, il s'est foiré. Oh le con. C'est qui a gagné la flèche? Bon bah pas de triplé pour Alaph. Là, Tadej, Primoz, Jack Egg, Primoz, la Slovénie, au top. Ok, on est deuxième là, pourquoi pas, Ewan, Nasser, podium de San Remo. Rui Oliveira. Wesh, mais il a 75 partout, quoi.
VDP roubé, Pitcock 3. Ok. Avec 76 pavés. Hein. La flèche, c'est Mark Hirschi. Qui remporte la deuxième flèche. Qui prive Alav du triplé. Vermeersch Gang Level Game. Deux gays de la Stradé, stylé. Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais regarder? Individuel, victoire. Eh, premier, hein, 13-8, hein. Tadei, c'est 8. Sam Bennett, 7. Et si on regarde en équipe, grâce à nous, total est 5ème. 14 win. Bon, il n'y a qu'une win hors nous. Je sais pas c'est qui. On peut le voir là, normalement, non? C'est Bonifacio. Ah, bah oui, c'est notre pote. Bah, c'est nous qui le faisons gagner en plus. Heureusement qu'on le fait gagner, sinon on était tous seuls à avoir gagné cette année. Hein. Terrible. Hein. Parce qu'en vrai, on fait une bonne saison. Oh, t'es mal les places à part Cholet où on tombe. Troisième Marseillaise, premier Provence avec deux autres maillots en plus. Premier au Var avec deux autres maillots en plus. Faune 5, Paris-Nice 2 avec Sprint. Ardennes, bon loin à cause du chrono par équipe mais un maillot. Amstel 7, Tour des Alpes premier avec deux autres maillots et Liège 2ème. On fait une bonne saison. Hein. 29 jours de course, 13 wins. Solide.